Si vous adorez avoir une belle mousse crémeuse sur votre café lacté ou que vous aimeriez pouvoir préparer depuis chez vous de délicieux cacao ou chocolat chaud, alors un mousseur à lait est clairement une option que vous devez considérer. Les mousseurs à lait sont de plus en plus présents dans nos cuisines et pour cause, ils nous permettent d'obtenir des résultats dignes d'un chef en quelques minutes facilement depuis chez nous. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai établi pour vous une liste des trois meilleurs mousseurs à lait. Des mousseurs à lait qui répondront chacun à vos besoins spécifiques, que vous cherchiez un mousseur à lait manuel, que vous cherchiez un mousseur à lait électrique, j'ai le produit idéal pour vous. Sachez que tous les liens des mousseurs à lait présentés dans cette vidéo sont disponibles directement dans la description de la vidéo. C'est parti, démarrons tout de suite ce top 3 avec le premier mousseur à lait il s'agit du Bodum 1446-01 Latteo. C'est un mousseur à lait manuel qu'il vous faut absolument pour vos cappuccinos ou pour vos cafés frappés. Il est équipé d'un récipient en verre borosilaté qui, en plus d'être inodore, résiste à des températures assez élevées, donc allant jusqu'à 250 degrés. Il est donc possible de le mettre par exemple dans le micro-ondes si vous souhaitez réchauffer votre mousse de lait. Vu qu'il a été bien pensé, il est également doté d'un bec verseur, donc qui va vous permettre, vous vous en doutez, de transverser facilement la mousse vers votre café, vers votre chocolat, peu importe. Sur la partie haute de ce mousseur à lait, vous allez retrouver un couvercle qui inclut une pompe à main et un fouet. Et grâce à ce système de pompe, vous allez pouvoir obtenir une mousse assez légère et délicieuse. Donc après environ 1 minute de pompage, donc c'est relativement rapide. En termes de capacité et de quantité, vous allez pouvoir obtenir 250 ml de lait, ce qui équivaut à plus ou moins une mousse pour deux gros cappuccino ou trois petits cappuccinos. Et dernier point, et un bon point encore une fois, ce mousseur à lait peut être lavé directement au lave-vaisselle. Ce mousseur à lait manuel est un excellent produit, donc il est facile à utiliser, il nous fait une mousse onctueuse, délicieuse, il a un prix très abordable, il est facile à nettoyer, et il est d'excellente qualité, très fonctionnel. Donc franchement, que demander de plus? C'est le meilleur mousseur à lait de ce top et je vous recommande chaudement. Second mousseur à lait, donc il s'agit du mousseur à lait de la marque Séverin. C'est un modèle qui est à un prix très abordable, c'est le modèle le moins cher de ce top 3, mais malgré son petit prix, il est quand même très performant et assez fiable. Il est équipé d'un fouet en acier inoxydable qui peut aller jusqu'à 11 500 tours par minute et nous permet d'obtenir une mousse en moins de 30 secondes, donc c'est relativement rapide. Ce mousseur à lait électrique possède une fonction pulse qui permet d'augmenter la puissance. Lorsque par exemple nous n'avons pas beaucoup de temps, on est pressé, on va pouvoir utiliser cette option pour obtenir notre mousse à lait encore plus rapidement qu'à l'accoutumée. Petit point sur l'ergonomie, l'utilisation, le confort d'utilisation. Donc ce mousseur à lait a une poignée qui offre une prise en main très facile, très agréable, et il est également recouvert, enfin la poignée dispose d'un revêtement soft touch. Enfin, ce mousseur à lait fonctionne sur des piles, il est compact et il se range très facilement. Pour le prix, c'est un excellent produit. Petit malus sur la facilité d'entretien, il n'est pas aussi facile à nettoyer que par exemple le premier modèle présenté dans cette vidéo. Et il est fait de plastique. Petit malus par rapport au premier modèle. Cependant, son prix est également bien moins cher que le premier modèle. Chacun y trouvera son compte. Troisième mousseur à lait de cette vidéo, il s'agit d'un mousseur à lait électrique. Il s'agit du mousseur à lait électrique Springlane Kitchen. C'est un mousseur à lait qui est bien plus perfectionné que les deux premiers présentés dans cette vidéo. Hein. On peut le dire, un mousseur à lait électrique haut de gamme. Il dispose de plusieurs programmes. Donc il peut nous donner en un clin d'œil de la mousse, de lait chaud, de la mousse de lait froid et même du chocolat chaud. Malgré ses nombreuses fonctionnalités et ses programmes, sa taille reste relativement compacte et donc vous allez pouvoir facilement le mettre dans un coin de votre cuisine et même ranger ses agitateurs sous l'appareil après chaque utilisation. En plus d'être un mousseur à lait très fonctionnel, c'est également un mousseur à lait qui s'utilise dans de conditions de sécurité maximale avec son couvercle incluant un joint en silicone qui permet d'avoir une protection totale contre les projections de lait. De plus, ce couvercle est totalement transparent, ce qui permet de suivre en direct, si je puis dire, la formation de la mousse. Donc voilà, comme ça au moins on voit l'évolution, on sait quand ça va se terminer. Et enfin, le nettoyage de ce mousseur à lait est très facile grâce à ses poignées en bois amovibles. Quant à sa capacité, il peut produire jusqu'à 250 ml de mousse à lait. Petit résumé sur ce modèle, c'est un modèle compact, c'est un modèle performant et
élaboré avec ses différents programmes. Il est fait de plusieurs matériaux, hein, à la fois en acier inoxydable, en plastique et en bois de chêne. Donc le bois de chêne en fait un objet élégant. Il est d'une puissance de 600 watts, ce qui nous permet d'avoir très rapidement hein, une mousse à lait de qualité. Et un autre point très important, comment dire, très positif, c'est sa facilité d'entretien. Donc c'est un excellent modèle. Par contre, bien sûr, le prix est plus cher que les deux premiers modèles, vu qu'il s'agit d'un modèle haut de gamme, bien plus perfectionné. Sachez que tous les liens des mousseurs à lait présentés dans la vidéo sont en description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a aidé d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, donnez un like à la vidéo, appuyez sur le bouton abonnement et j'espère vous voir dans de prochaines vidéos.